comme l'indique le nom de la vidéo, la balade du dimanche. Cliché numéro 1. Définition. La sortie, papa, maman, en mode pépère, de courte durée. N'ai besoin d'en dire plus, je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Mais la balade du dimanche, c'est parfois ceci, cela, ou encore ça. ...330 km de route, et croyez-moi, elles ont été diverses et variées. Ligne droite, virage format billard, accidenté, tout en courbe et riche en surprises. Cliché numéro 2, le BMiste. Le BMiste a souvent la moto la plus belle, légèrement plus douloureuse à l'achat, et très souvent plus performante que la tienne. Réalité, forme de jalousie, sûrement. Le BMiste, tu vois, c'est celui qui ne te dit pas bonjour, qui ne te fait pas le sacro-saint vide de la main quand tu le croises. Celui qui te snobe car tu n'es pas doté des mêmes attributs à deux roues. Et pourtant, le BMI, c'est aussi un « Bonjour, je suis un motard ». J'ai récemment vu une vidéo qui aborde l'esprit de la balade en groupe. Elle aborde la navigation. Prendre à gauche, prendre à droite, fais 4 fois le tour de toi-même, ou encore, fais demi-tour. Même à deux, la navigation participe beaucoup à l'ambiance de ta balade. C'est justement ces moments-là que tu gardes en tête, le sourire en coin. Parfois même, au détour d'une erreur, la surprise d'un paysage inattendu peut y atteindre. Le cul bien posé sur nos bécanes, on part à l'assaut des paysages de l'Ain et du fameux col du Colombier. Pourquoi je dis fameux ? La dernière fois, c'était ça pour moi. Voilà, le décor est planté, la balade du dimanche peut être lancée. Ami BMiste, envoie le panorama. C'est à cet instant que le jeu commence. Quel virage s'enchaîne, quel paysage défile, et à cacher dans ton casque, ton sourire se fait de plus en plus grand. Tu prends juste un plaisir immense. Ouais, tu l'as. Salut. J'ai ta côte de bœuf. T'es con. Franchement, par rapport à la dernière fois, celle-là, c'est du pain béni. On arrive en haut du col du Colombier, mi-avril, sous la neige. 360 degrés de vue.
Que dire de plus ? On enchaîne la seconde partie de la balade. Direction ? J'en sais trop rien. Je suis le guide et ça me va très bien. La route s'enchaîne mais ne se ressemble pas. Cette région est un vrai terrain de jeu à découvrir. Ce qui est bien, c'est quelle que soit la saison, d'une journée à l'autre, le décor change, la lumière change et ça te laisse découvrir une route complètement différente. Chaque point de vue est un prétexte à te poser. Tu profites. Un petit coup à la rétine gauche, suivi de près par la rétine droite. Tu immortalises ces moments. Et tu graves bien ça dans ton esprit. Bon, aussi dans ta carte mémoire, histoire d'en profiter encore un peu. Je ne vais pas vous laisser ainsi sans le petit mot de la fin. Vivement la prochaine.